Du 18 au 25 mai à Maripasoula se déroulait la 5e édition du Festival du Livre, Mapa Bukufesti, organisé par la bibliothèque municipale Samuel Bill Monzel. Comme l'année dernière, le festival a démarré en itinérance dans les villages du Haut Maroni, Elaï, Kayode, Talouen, Antegumpata et Bidima. C'est hyper important parce que tous les villages du Haut-Maroni font partie de la commune de Maripasoula. Et alors même déjà sur le bourg de Maripasoula, les activités culturelles sont relativement rares et sur les villages encore plus. Donc ça nous tenait à cœur vraiment d'aller voir tout le monde et de toucher toute la population de Maripasoula. On est intervenu dans toutes les écoles, depuis Dima en passant par Antekumpata, Kayode, Elae, j'en oublie, j'en passe. Et aussi le village de Wakapu qui n'avait jamais reçu ce genre de manifestation. Donc là on est vraiment content d'apporter la culture à tout le monde. Alors ce qui est bien, c'est que ce sont des ateliers qui ne leur sont pas forcément proposés. Et donc c'était une découverte, je leur ai proposé donc d'écrire un texte sur le souvenir et puis ensuite de s'enregistrer donc avec un fond musical, voilà, déclamer le texte écrit. Donc ils pouvaient s'entendre, un petit dispositif assez facile à manier. Et les retours étaient intéressants de les voir et écrire et s'entendre. J'espère qu'on a, enfin en tout cas que j'ai pu créer certaines, enthousiasme, vocation pour plus tard. De retour en ville, le festival a investi la place des fêtes ainsi que les écoles de la commune pour proposer divers spectacles, des conférences, des ventes de livres, des ateliers peinture tembi, d'artisanat ou encore de création sonore et vidéo. Comme chaque année, le Mapa Bukufesti se démarque par sa diversité. Alors le festival se passe ici, mais je pense que même sur le littoral, je n'ai pas vu de festival lié au livre de cette ampleur, avec autant de corps de métiers liés au livre, aussi bien des auteurs de BD, des auteurs de poésie, des auteurs d'essais, de romans, et des personnes qui participent également aux ateliers, ateliers d'Artimbé, ateliers de Pangui, etc. C'est très riche, vraiment très riche, spectacle de contes, spectacle de poésie, tout concentré comme ça sur une semaine, c'est que du bonheur. Ben c'est mon Mapa Bukufesti aussi, je fais partie, enfin pour moi c'est mon bébé aussi, depuis le tout début, sa création, avant même d'être immergé en fait. Et en fait, pour moi, c'est un bon moyen de faire des échanges avec d'autres styles d'art, ou surtout rentrer dans la lecture, permettre aux enfants, à travers le style d'art traditionnel que nous faisons, surtout leur donner envie de croire en tout. Il y a des auteurs nouveaux qui sont venus. Qui ont été intrigués par ce qu'avaient vécu les auteurs les années précédentes. Donc on a beaucoup de participants qui sont volontaires, c'est eux qui ont proposé leur participation. Et sans oublier en fait les participants historiques qui sont là depuis le début et qui, en parlant de cette expérience du Mapa Bukufesti, tout au long de l'année, on donnait envie à d'autres personnes de venir. Donc effectivement, la nouveauté vient aussi du vécu des anciens du Mapa Bukufesti. Entre les anciennes et les nouvelles activités, le festival est chaque année un moment de découverte pour les habitants de Maripasoula et notamment pour les plus jeunes. J'habite à Maripasoula et je suis fan de livres. Je suis venue voir les livres pour présenter à mes amis. Cette année, on a vu des livres. On a vu des personnes faisaient des dessins et ils faisaient des coloriages et il y avait des bibliothèques jusqu'à à côté là. Et ils vendent des livres aussi. J'ai eu un chance de venir à Mapa Bukufesti. J'ai découvert des livres géniaux que j'avais pas encore vus. Et rencontrer les personnes qui l'ont écrit et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc un festival comme ça, c'est pas facile à organiser, mais on passe au-dessus puisque ce qui est fait, c'est fait pour le public. Si on est encore là, s'il y a une 5e édition, c'est parce que le public nous invite à revenir. Donc malgré ces difficultés, on continuera à porter ce projet de Mapa Bukufesti. Une nouvelle année réussie pour le Mapa Bukufesti. Reste à attendre l'année prochaine pour voir ce que le festival réservera à la population.